filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agit d'un haul. Donc j'ai pas mal craqué sur des vêtements et un petit peu de make-up. Donc je vais commencer par les vêtements tout d'abord, parce qu'on était pas prêts. Alors, je suis allée dans plusieurs magasins. Je vais vous présenter les vêtements, je vous dirai d'où ça vient et si je m'en souviens, le prix. Alors, le premier haut qui est couleur crème, comme ceci. Donc, c'est un Pro Mode que j'ai acheté la semaine dernière. Prix, 29 euros. Alors, j'ai vraiment craqué dessus et c'est pour ça que je me le suis acheté. Parce que 29 euros un t-shirt, je trouve juste ça énorme. Il se touche vraiment parce que 29 euros, voilà, c'est un t-shirt tout simple. Hein. Voilà, il y a juste une fermeture éclair qui s'ouvre et voilà, mais c'est tout quoi. Enfin voilà. Donc 29 euros et je l'ai pris en taille L, je crois. Voilà. L ou c'est la taille 4, je crois. Il y a un petit détail sur le bas, vous avez des petits boutons, des petits clous ici, mais voilà, c'est tout quoi. Donc j'ai vraiment craqué dessus, je peux vous le dire, je l'aurais jamais pris sinon. Ensuite j'ai pris le même, sauf que je l'ai pris couleur rouille. Voilà, donc également 29 euros. J'avais des bons, c'est pour ça que je l'ai pris, voilà, j'essaye de me trouver des excuses, mais voilà, je le trouve vraiment magnifique. Pareil, fermeture éclair, petit bouton sur le côté. Donc voilà, la matière, ça fait un peu laine. J'ai coupé l'étiquette, bien entendu. Ouais, parce qu'ils mettent des méchantes grosses étiquettes à Promode, donc là, je les ai coupées. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais ça fait un peu laine. Je crois qu'il y a il y a un peu de cachemire dedans. Donc voilà, c'est peut-être pour ça le prix. Ensuite, toujours à Promode, donc celui-ci est en solde encore parce qu'il y avait les derniers soldes. Donc c'est un pull à manches longues, voilà, tout simple devant, le col est bénitier et derrière on a la petite zipette couleur or. Voilà, j'ai craqué pour la zipette en fait et en fait porté, il est magnifique. Je l'adore ce pull. Alors au début j'avais un peu peur pour la couleur. Mais ma foi ça va très très bien. Donc voilà. Celui-ci je l'ai payé 10 euros. Il était à 34 euros avant et il est passé à 10 euros. Heureusement sinon je l'aurais pas acheté. Ensuite on va continuer chez Promode parce que voilà, comme ça ça sera fait. Je me suis pris également un haut noir. Alors manche longue. C'est un pull pardon. Manche longue et le col est bénitier aussi. Donc ça c'est de la nouvelle collection, hein. Je ne l'ai pas payé en solde et je l'ai payé 19 euros je crois celui-ci. Donc voilà, le col est bénitier, il est un peu, comment dire, le bas est un peu asymétrique en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il est un peu bizarre le bas, mais ma foi ça va très très bien sur un jean. Voilà, ça passe avec tout. Ensuite, je suis allée à Zara, c'est mes premiers achats Zara, puisque avant je rentrais même pas dans Zara en fait, puisque je me disais que alors déjà c'était trop cher et en plus je me disais qu'il n'allait pas avoir ma taille et là je me suis laissée tenter. Donc je suis allée bien entendu au rayon petit prix, les derniers soldes en fait, puisque je voulais pas payer plein pot. Voilà, je préférais trouver quelque chose à moindre coût. Donc je me suis pris ce petit gilet. Donc Soso dit que c'est un gilet mamie. Je le trouve magnifique. Donc il est crème. Il est sublime. Il est vraiment sublime. Alors je sais pas ce que c'est comme... c'est de la laine ou je sais pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Du nylon, du coton, de l'acrylique, du mohair. Non, il est vraiment sublime. Voilà, porté avec un haut noir tout simple, parfait, 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 parfait. J'étais tellement contente de le trouver que, en fait, je l'ai pris, j'ai même pas regardé la taille et c'était un M. Bon, ça va parce que ça, il est large quand même, mais voilà, trop contente. Ensuite, toujours à Zara, donc là, c'est également un haut qui était en solde. Donc c'est un haut, un pull noir tout simple, col V.
manche longue, voilà, il n'est pas très très chaud, hein, voilà. Et sur le bas, en fait, alors sur le côté déjà, sur le côté du pull, c'est du, là c'est du voile. Et en bas aussi. Donc là, vous avez le voile et là, vous avez le pull. Il est magnifique. Il est magnifique, sublime. Je l'ai pris en taille L. Et ma foi, il me va très très bien. J'en suis très très fière. Donc voilà. Donc la veste, là, je l'ai payé 15 euros. Et le pull noir, je l'ai payé 10 euros. Voilà. Ensuite, quand je vous dis qu'il y a un paquet, c'est qu'il y a un paquet. J'ai vraiment craqué mon slip. Alors ensuite, je vous le sac. Mon bébé d'amour. Je rêvais de ça, ce que vous avez vu, qui est blanc. J'en rêvais d'un, mais ça fait plusieurs années que j'en rêve. Et je l'ai enfin trouvé, donc à Monoprix, il était en solde. C'est un peignoir blanc, donc tout doux. Je le surkiffe. Alors vous voyez que j'ai pas enlevé l'étiquette, je l'ai pas porté encore. Ça fait 2 jours que je l'ai acheté, je l'ai pas porté, juste pour refaire la vidéo. Donc il est blanc, il est tout doux, voilà quoi. Donc il était à 37 euros au départ. Il y avait l'étiquette moins 50%, donc la petite étiquette rouge. Et quand je suis passée en caisse, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me faire la carte de fidélité Monoprix? Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, en plus avec la carte, que si vous la passez, ça vous fera 20% en plus. Faites-la moi vite. Donc voilà, le peignoir n'est pas revenu à bien cher. Je surkiffe. Mais je trouve magnifique, tout doux. Bon, il est blanc, alors certes ça se tache plus vite, mais c'est pas grave, j'ai une machine à laver, on le lavera. Donc voilà. Hop, je vais sortir le sac des cosmétiques, des produits de beauté, parce que sinon je vais plus le voir. Donc voilà, ensuite à Monoprix, rien de très intéressant, j'ai acheté des colons. Voilà, j'ai acheté des noirs et des beiges. Je vous conseille de les prendre là-bas, ils sont pas chers et ils tiennent bien le coup. Il y a les pointes des pieds qui sont renforcées et vous avez la culotte renforcée, voilà. Donc voilà, les trois, non, il y a deux paires de collants dedans, les deux je les ai payés 3 euros je crois. Et en plus j'avais 20%, donc ça faisait 60 centimes en moins, ça faisait 2,40 euros, donc j'ai pas hésité. Ensuite, Ensuite, avec Soso, on est allé à CA. Donc, première chose, j'avais mis des ballerines et j'avais pas mis de chaussettes, et commence à cailler. Donc, je me suis exprès acheté des chaussettes, des collants, des mi-bas, quoi. Voilà, couleur chair, très simple. Je les ai payées pas très cher. Je crois que c'était quoi, 5 euros. 5 euros les 6 paires, donc voilà. J'avais oublié d'en mettre. Ensuite, je me suis pris, alors ça faisait un moment que j'en cherchais une de veste en jean, donc je me suis pris cette veste en jean avec les boutons pression, pas les boutons avec le trou, c'est des pressions, donc ça c'est pas mal. Je l'ai pris en taille 48 parce que ça taillait super mal, mais super mal, hein. Donc voilà, et je l'ai payé 9 euros. Donc voilà, est très simple, je sais déjà avec quoi la mettre. J'essaierai de vous faire les tenues du jour, je sais, il faut que je m'y remette, mais je vais m'y remettre, promis. Ensuite, toujours à CA, donc je me suis pris un peu des couleurs pour cet été. Je sais que là, vu le temps qu'il fait, c'est pas l'été encore. Mais voilà, je me suis pris des couleurs pour cet été, donc je me suis pris un chemisier vert. Quand je regarde dans le retour, j'ai l'impression que ça sort pas la même couleur. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous avez deux poches au niveau de la poitrine et les boutons descendent jusqu'en bas. Voilà, donc je trouve super beau. C'est le tissu pas chaud là, vous savez, qui. Voilà. Et je l'ai payé 9 euros. Voilà. Et ensuite, exactement le même, je l'ai pris en couleur corail. Donc voilà, comme ceci. Là, il ressort pile poil la bonne couleur. Et également 9 euros. Voilà, donc faites attention, si vous voulez les commander sur internet, prenez une taille au-dessus, parce que ça taille très très mal. Moi j'ai été obligée de prendre un 48, Soso a été obligée de prendre un 40 je crois, donc voilà, faites attention. Ensuite, toujours à CA, bon pas très intéressant, je me suis pris des chaussettes. Et des chaussettes hautes et des chaussettes basses, puisque voilà, Soso est tout le temps en train de me piquer les miennes. Je vous conseille d'aller les acheter à CA et pas à H&M. À H&M, les 4 paires, je crois, les 5 paires, elles sont à 7,95. Et là, à CA, les 10 paires sont à 6 euros. Donc,
Autant vous dire que voilà, on n'a pas hésité avec Soso. Soso avait acheté une paire à H&M juste avant. Et quand elle les a vues moins chères à CA, elle était dégoûtée. Mais bon, c'est la vie. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée également à... Non, à H&M. Puisque voilà, je partais à Saint-Étienne et j'avais mis un ensemble, j'avais mis un jean et un pull. Et je sais pas, je me sentais pas bien dans le pull. Donc avant de prendre le train, je me suis dit, il faut que je passe à H&M, je m'achète un haut pour que je sois tranquille et que je sois bien, puisque j'étais vraiment pas bien dans mon pull. Et puis, comment vous dire, je me suis pas acheté seulement un haut, je me suis pris plusieurs. Donc tout d'abord, je me suis pris ce gilet, alors que j'avais remarqué déjà, que j'avais vu depuis un bon moment. Mais le prix me freinait. Alors il est comme ceci, il est violet avec des touches de rose un peu. Il est sublime, il se ferme pas, il a deux poches, il est magnifique. Donc je l'ai pris en taille L et au départ il était à 25 euros. Je l'ai payé 10 euros, il était en promo. Donc voilà, quand j'ai eu 10 euros, j'ai pas hésité. Et j'ai pris exactement le même, donc voilà, qui est comme ça, qui est marron avec des fils dorés dedans. Donc voilà, il était à 24,95 et je l'ai payé 10 euros. Donc voilà, rien à dire, j'ai surkiffé. Ensuite, je me suis pris, alors ça c'est le haut que je me suis changé dans le train. Je me suis pris un petit haut comme ça, type tunisien, avec les boutons sur le côté et des liens pour resserrer derrière. Donc voilà, je me suis mis ça dans le train. Je sais pas, j'étais pas bien dans ce pull, alors... Alors voilà, j'étais obligée de passer à H&M pour m'acheter quelque chose. Vous savez, quand on n'est pas bien dans le pull, bref. Donc voilà, ensuite, donc ça, je fais un bisou à Miss Bouli, puisque on s'est acheté le même. Audrey, si tu passes par là, voilà. Donc celui-ci qui est beige avec des strass sur le décolleté tout devant, qui est sublime. Il est un peu plus long derrière que devant. Et il était à 9,95€, donc voilà, j'ai pas hésité non plus, hein, bien entendu. Donc il est plus haut devant que derrière, voilà, comme ça. Voilà, et pour terminer, mon chouchou. Donc c'est un pull qui est de couleur kaki. Il est comme ceci. Et en fait, sur les épaules, vous avez, ce n'est pas des clous, c'est des perles. Vous avez des perles en fait qui sont cousues. Alors moi je me suis amusée à toutes les recoudre puisque j'ai pas envie que ça tombe. Donc voilà, il est magnifique. Celui-ci je l'ai payé une blinde. Je l'ai payé combien? Je l'ai payé 29 euros je crois. Une blinde, non pas une blinde parce que bon à côté des t-shirts de Promode c'est pas une blinde. Mais voilà, je l'avais vu en photo sur Instagram je crois et j'avais vraiment craqué dessus. Donc voilà, j'ai pas hésité. Il existe en kaki. Alors c'est de la collection pour tout le monde. Hein. Il existe en kaki et il existe en blanc aussi avec les perles un peu dorées. Dorées rosées. Rose dorée là. Bref, vous avez compris. Donc voilà. Je pense pas me le prendre en blanc parce que voilà, le blanc ça grossit un peu. Donc voilà, je vais me limiter au kaki. Ensuite. Un intéressant, je me suis pris un petit sac pour mettre dans mon sac de chez Monoprix. Voilà, je le trouvais beau, il y a des petites fleurs et tout. Voilà, 1 euro. Comme j'ai taché le mien, je préfère en avoir un autre. Ensuite, alors je suis allée à Kiko le matin. C'était quand je suis rentrée de Saint-Étienne, donc c'était vendredi. Et vendredi après-midi, il y avait 20% de réduction. Donc comment vous dire, j'étais dégoûtée. Donc mais c'est pas grave, hein, je vais garder les 20%, je vais y retourner la semaine prochaine et je vais craquer. Alors, je me suis pris plusieurs choses, dont des vernis, bien entendu. Sinon, ça serait pas marrant. Donc, premier, je me suis pris un... Je suis toujours pas allée chez le coiffeur, hein, comme vous pouvez le remarquer. Je me suis pris un rouge à lèvres qui était en réduc, qui était à 1,90€, un nude. Je l'avais déjà acheté, mais j'en voulais un autre pour mettre dans mon sac à main. Donc voilà, à ce prix-là, j'ai pas hésité. Donc c'est le numéro 11. C'est un lipstick. Voilà. Alors les packagings sont comme ceci. Et il est ici. Donc voilà, c'est un rosé nude, très très beau. Je le mettrai dans mon sac à main.
puisque l'autre je le laisse à la maison, donc voilà. 1,90€. Ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres de la nouvelle collection. Donc, j'adore. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais ça sert à rien, les packaging. Ouais, mais moi, j'aime bien les boîtes. Surtout qu'en plus, je vais le sortir, je vais le jeter après. Mais les boîtes, je les trouve vraiment trop belles. Les couleurs, et puis c'est en relief en plus. J'adore. Donc, c'est un long lasting lipstick. Donc, qui se tourne comme ça, et c'est un rouge à lèvres. Alors à côté les deux, vous allez me dire, ah mais c'est la même couleur. Oui, mais non, c'est pas la même couleur. Certes c'est ressemblant, mais celui-ci est un peu plus foncé que l'autre, ou alors c'est le contraire. Non, et puis de toute façon ils ont pas le même rendu. Il y a celui-ci qui est mat et celui-ci qui est brillant, un peu satin, qui est magnifique. Voilà, j'adore la façon en crayon, comme ça c'est très facile à mettre, donc voilà, je surkiffe. Celui-ci je l'ai payé 6,90€ quand même, mais ma foi, j'ai surkiffé, donc voilà, faut se faire plaisir dans la vie. Ensuite, donc je me suis pris 4 nouveaux vernis. Alors vous allez me dire, oui mais Bérangère, t'as déjà plein de vernis. Oui mais c'est les nouveaux, ok. Donc, je me suis pris les Sugar Matte. Sugar Matte. Donc, c'est celui que je porte sur les doigts, là. Alors, je me suis pris le noir pailleté argenté, qui est comme ceci, donc que je porte. Alors, pour vous dire un peu, ça a un fini mat et ça fait un peu granuleux sur les ongles. Et je surkiffe. Au début, je me suis dit, laisse tomber, je vais jamais aimer. Et en fait, je surkiffe. Donc, j'ai pris le noir pailleté, c'est le 646. J'ai pris un bordeaux avec des paillettes orangées qui est sublime. Voilà, comme ceci, qui est le 645. Donc, ces deux-là ont des paillettes et j'en ai pris aussi, donc fini mat, 200 paillettes. J'ai pris un taupe qui est le 638 et j'ai pris un rose fuchsia qui est le 633. Donc voilà, chaque vernis était à 4,90€. Je regrette un peu de ne pas avoir pris les 20%, mais c'est pas grave, j'irai m'en racheter, hein, ça sera l'occasion. Donc voilà. Donc préparez-vous à un autre sol, à un autre haul la semaine prochaine. Donc voilà, et ensuite, pour terminer, donc j'ai fait une commande sur internet. D'ailleurs, ça me paraît bizarre, j'ai perdu la crème. Ah non, elle est là. Donc, j'ai fait une commande sur internet, sur le site, je ne sais plus quel site. Je vous mettrai le lien ici si je le retrouve. J'ai fait une commande de la marque Noreva. Donc, on avait eu cette crème dans ma boîte à beauté du mois dernier. J'ai surkiffé cette crème. Elle apaise ma peau. Je n'ai plus les rougeurs, les joues qui tirent ou quoi que ce soit. C'est vraiment une crème tip top. Alors déjà, je tiens à remercier Sabrina qui m'a envoyé la sienne, puisqu'elle ne la met pas. Donc là, j'en ai racheté une, donc j'en ai pour un moment. Donc c'est un tube comme ça, de 40 ml. Alors c'est tout petit, ça coûte une dizaine d'euros, donc je trouve pas ça excessif. L'autre, ça fait déjà 2 semaines que je la porte, et je ne l'ai pas terminé encore, donc voilà. Donc voilà, c'est sans parabènes, sans merdouille, j'adore. Et je me suis pris également l'eau micellaire peau intolérante. Donc voilà, je l'ai déjà testée, elle ne me tire pas la peau, elle sent rien, il n'y a pas de parabène, donc voilà. Je l'ai commandée sur le site, je vous le mettrai en barre d'infos le site. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est une parapharmacie qui est nettement moins chère sur internet. Les frais de port ne sont pas excessifs, donc voilà, je vous invite à aller faire un tour. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma vidéo haul, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des envies, et voilà c'est tout, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite les filles, bisous!